Famille, on espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog avec Hikma et Hanifa qui est derrière, enfin qui est devant. Et donc là on est toujours dans les parkings, hein, vous me connaissez, je suis toujours dans les mêmes parkings que vous me voyez souvent. Je pense que bientôt je vais installer une tente ici. Bientôt je vais installer une tente ici pour dormir. Donc alors aujourd'hui on se retrouve parce que je vais acheter un nouveau manteau pour Hikma parce que il commence à faire froid et Hikma n'a pas de manteau, pas vrai? Non. Donc on va lui acheter un nouveau manteau et en même temps, qu'est-ce qu'il y a? Hanifa, tu fais un petit coucou? Voilà Hanifa qui vous fait un petit coucou avec son gros doudou là. Tu es bien protégée toi. Ah, il pleut hein? Oui, il pleut, il fait pas beau, c'est pas... De... Ouais. On voit un mec qui sort en t-shirt là, là. Ah. Le monsieur, saison, vrai, hein. Oui, le monsieur qui est sorti avec un t-shirt. Donc je pense que lui, ça va quoi. Il n'a pas besoin. Mais nous, ouais, il fait pas trop froid pour lui. Comme je disais, je vais d'abord chez à côté pour aller m'acheter deux petits trucs que je dois mettre chez moi. De toute façon, je vais vous montrer ça quand je rentre à la maison. Où est Hikma? Hikma, elle est derrière moi. Quand je rentre à la maison, je vais vous montrer ça. Et ensuite, on va aller dans les magasins pour voir si on trouve un nouveau manteau pour Mademoiselle Hikma parce que il fait pas beau du tout. Si vous vous rappelez, celui-ci, je l'avais acheté l'année dernière chez H&M. On avait trouvé, je pense qu'on avait même pris deux modèles. Donc voilà, tu fais attention en traversant. On fait attention, il y a les voitures. Oui, il faut faire attention. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire? Que ça fait une semaine et demie, on n'a pas publié, c'est parce qu'en fait par rapport au projet là que je vous parlais, on travaille énormément parce que c'est un gros truc et ça prend énormément du temps pour pouvoir mettre tout en place. Mais on s'excuse pour ça parce que logiquement on essaie de publier tous les jours, mais là pour le coup on n'a pas du tout assuré. Mais vous inquiétez pas, les vidéos vont reprendre et on a eu beaucoup de messages des gens qui disent ah vous nous manquez, vous nous manquez, vous nous manquez. Vous inquiétez pas, on est là, la Sakina Family est toujours sur place. On va rentrer dans le magasin, let's go. Regardez moi ça la famille, comment c'est beau. Je dois vous dire que je suis tombée malade depuis deux jours. Je suis tombée malade et là il y a tellement de promos ici. Adinès! Quoi? Adinès! Regardez-moi les lits. Adinès! Bon, je vais. Tu y vas? Ouais. D'accord, à tout à l'heure. Bye bye! Bye bye! Tu dis pas au revoir? Au revoir! Hanifa, elle nous quitte. Yeah. Alors, qu'est-ce qu'on est venu chercher? Je vais vous montrer ça tout de suite, ce que je suis venue chercher. C'est de l'autre côté. Regardez-moi la famille, tout ce qu'on peut trouver chez chez Koforama. Par contre, les prix, ils se sont pas gênés. Hein. Ah oui, un meuble de chaussures. Ça, j'en ai besoin à la maison parce que... Ouais, le mien, il n'est pas cassé, mais il est presque. Je pense que vous vous rappelez, j'ai un meuble de chaussures qui est comme ça à l'entrée de la maison. Et il faut que je... Il faut que j'achète un autre. Et là, regarde comment je suis. Il fait tellement froid dehors que je suis comme ça. La famille, si vous cherchez un petit meuble pour le maquillage, regardez ce qu'il y a. En plus, il est tout noir et à côté, vous avez un petit tabouret à moins 40%. C'est pas mal, hein? Alors, qu'est-ce que je suis venue chercher? Ce sont des rangements. Je suis venue prendre quelques rangements parce que j'ai pas mal de choses à vouloir ranger. Les classer dans des petites boîtes comme ça. Mais les rangements qu'il y a ici sont pas du tout les mêmes que ce que je cherche. Donc, il faudra que je trouve. Je vais voir derrière parce que là, ce que je vois là, c'est pas du tout la même chose que je cherche. Par contre, celle-là n'est pas mal. Celle-là n'est pas mal pour... ranger tout ce qu'on a comme affaire n'est pas mal du tout. Même si on regarde bien, on a aussi celui-ci. Je pense que je vais aller chez, je vais aller quelque part d'autre. Tu sais ce qu'on va faire, Hikma? Oui. On va aller chercher ton manteau. Après, on va aller chez Jiffy pour aller voir si on trouve des rangements. Oui. Je pense que chez Jiffy, on trouvera quelque chose de plus intéressant. Tu veux ça? Oui. Non.
C'est pas pour toi, ma fille. Pourquoi? C'est pour les bébés. Toi, tu es une grande fille, Hikma. Tu n'es plus un bébé, tu le sais. Oui. D'accord, on y va? Il pleut, la famille, il pleut. Là, on va aller de l'autre côté parce que finalement, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Tu fais quoi, Hikma? Tu attaches ton manteau? Oui. Ok, vas-y. Tu as tout à fait raison, il faut bien se protéger. J'ai pas trouvé ce que je cherchais de l'autre côté. Oui, après, si tu te protèges pas, tu vas être malade. Oui. Et on va aller vite parce que là, il pleut trop, donc c'est pas bon pour nous. Manger McDo? Oui. Non. Pourquoi? Parce que c'est pas bon le McDo tous les jours. Pourquoi? C'est pas bon le McDo tous les jours. C'est pas bon. Pas du tout. Tu comprends? Oui. Ok. On se dépêche? Oui. Comme ça, on va pas tomber malade. On se dépêche. On va chercher ton manteau, d'accord? Oui. À tout à l'heure. Oui. Oh oui, bien sûr. Attends. On vous laisse, on va faire une photo avec Sicia. Sicia, ok. Et eh bien c'est avec. Bonjour, ça va? C'est qui? On est en train de vlogger, vous voulez faire un petit coucou? Bonjour. On vous laisse, on fait une petite photo et puis on se retrouve après. Bonjour à tous. Je suis votre Hikma. Je suis à l'école demain. Parce que. Je veux dire. Bonjour à tous. De moto, Hikma et de Dora. Parce que. Rentrer. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? École. Tu as dit c'était rempli. Rempli. Pour mettre comme ça. Rempli. Qu'est-ce qui est rempli? Un gros voiture. Le parking. Un parking. Le parking. Le parking est rempli. Oui. Voilà, nous sommes dans notre boutique favori. Oui. Et on va chercher un manteau. D'accord? Oui. Regarde, il y a des doudounes de l'autre côté. Hikma? Oui. Les doudounes là-bas. Tu veux quoi toi? Tu veux aller regarder quoi? Là-bas? Donc on suit Hikma. Tu as vu quelque chose? Tu dis pardon Hikma. Hikma, elle a vu quelque chose et elle veut nous montrer. Et je le savais. Comment veux-tu porter ça, Hikma? Okay. Tu ne peux pas porter ça, Hikma? Non. Tu sais pourquoi tu ne peux pas le porter? Oui. Parce que ça ne va pas te tenir chaud. Regarde, Hikma. Hikma? Hikma, regarde les manteaux qui sont là. Ils sont pas mal. C'est des doudounes. Hein? Peut-être pas celui-là, mais regarde celui-ci. Celui-là. Le noir, là. Non. T'aimes pas? Bon, Hikma, elle n'aime pas. Tu veux essayer lequel? Celle-là? Mais je t'ai dit ça, tu peux pas parce que ça va pas te protéger. C'est pareil que ce que tu as déjà sur toi, Hikma. Regarde. Pourquoi tu n'essayes pas celle-là? C'est pas mal, hein? Toi, tu veux essayer celle-là. Hein? Oui. Hikma? Oui. On essaie celle-là d'abord? Oui. Ok, ça marche. Alors, on essaie celle-là. En plus, il y a moins 50%. Regarde, c'est pas mal, hein? Oui. C'est confortable. Et en plus, regardez-moi ça, la famille, comment c'est beau. Alors, comment tu te sens? Tourne. Je trouve qu'elle est un peu trop grand. Mais... Tu es en l'aise? Tourne ici pour voir. Ah, moi j'aime bien. Moi j'aime bien, ouais, je trouve que ça va. Hein. Regarde, c'est facile à fermer. En plus, ça tient chaud parce qu'à l'intérieur, regardez, il y a une fausse fourrure. En poil. Donc ça tient chaud. Oui, pourquoi pas? On va prendre celle-là? Ah! Elle est beau. En plus, il est à moins 50%. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais il est à moins 50%. Oui. Attends, on va voir, il coûte combien? Je vais vous dire ça tout de suite. Hikma, tiens, on va regarder le prix. Il coûte combien? Il coûte 40, on fait 50 euros moins les 50%. Je pense qu'on l'a... Pardon, excusez-moi. Allez-y. On l'a encore moins cher. Donc, on va prendre ça.
On va prendre celle-là. J'adore. En fait, Hikma, elle a vu ce sweatshirt. Elle aime beaucoup le logo. Pourquoi tu aimes le logo? Ninja. Tu aimes le logo quoi? Ninja. Ninja? Oui. C'est pas Ninja, Hikma. C'est, je pense que c'est asiatique. Attends, on va regarder. Mais il est pas mal, hein? Le sweatshirt, il est bien. Oui. Ah, le pull! Alors, la famille, là, je viens de voir ce pull-là qui est magnifique. Il coûte 35 euros. On va dire 36 euros à peu près, mais il n'est pas mal du tout. C'est vraiment un petit pull confortable. Il m'attire, en fait. Depuis tout à l'heure, je le regarde. Alors, je vais voir. Ah, mince, il n'y a que du S. Ouais, il n'y a que du S, en fait. Je vais demander, si jamais il y a L, je vais le prendre parce qu'il est vraiment joli. Donc je vais demander à la vendeuse, si jamais ils ont L, je le prends. Hikma, elle a encore craqué sur ce pull. Elle est beau, hein. Tu vas essayer? Non. Ah! Ok. Tu voulais regarder, dès qu'on te montre, tu veux pas essayer? Non. Tu veux pas essayer? Ouais, final... si. Ah, ok, vas-y. Il est beau, hein. C'est un gilet, mais il est super beau. Donne, je te le tiens. Mm-hmm. Je te le tiens, ça va? Ok. Mmh. Ah, ça le fait, hein. Mais est-ce que ça tient chaud par rapport à... Oui, il est doublé. Là, il est doublé, oui. Tu fais la belle? Attends. Attends, ok. C'est bien, tu te doubles bien, Hikma. C'est quoi Noël? Alors là, on n'est pas encore là. Hein. C'est quand Noël? C'est quand Noël? Oui. C'est le mois prochain. On a encore un peu de temps. Oui. Tu fais attention pour ne pas le casser. Il faut faire doucement, voilà. Ah, ça va. Ouais, ça le fait, hein. Ah, ça le fait. Hein. Moi, j'aime bien. Voilà la famille, on a fini. On a acheté un gros sac comme ceci. Comme toujours, au même endroit. Et là, on va y aller. On va aller chercher les petits rangements que je vous ai parlé tout à l'heure. Oui, Hikma. Hikma, elle a trouvé des trucs de jeu tout à l'heure, là. Et ensuite, on va passer à Carrefour pour chercher de quoi faire à manger ce soir. Parce que, pour être honnête avec vous, je ne sais pas ce qu'on va manger. Kiki. Hikma, elle aime trop dire bonjour à tout le monde. Un quoi, un quoi? J'ai pas compris. Un rock. Un quoi? Un rock. Il faut articuler, je t'ai dit. Un rock, s'il te plaît. Non. C'est quoi? Non, on va pas acheter un crack. De quoi? Parce que... on a mangé déjà. On va aller chercher quelque chose à grignoter vite fait, mais on va pas manger tout de suite. Donc on se dit à tout à l'heure la famille, en tout cas. Alors, on a eu pour combien? 84 euros les trois produits qu'on a achetés tout à l'heure. Ça nous fait une grosse sac, mais bon, ça va. Voilà, ce sont les paniers, ce sont ces paniers là que je vais prendre. Je pense que je vais prendre deux. Hein. Ouais. Oui, pour compléter avec ce que j'ai à la maison, je vais prendre deux. Je vais prendre ce modèle-là et le noir. Ça me va. Le noir et celle-là. C'est pas mal. Hmm? Des quoi? Des quoi? Des lunettes? Des lunettes. Ah non, on va pas prendre ça encore, Hikma. Hein? On peut pas tout le temps prendre la même chose. Donc j'ai pris ces deux-là. Là, ce que je suis en train de chercher, c'est un panier pour mettre les vêtements sale, sauf que je ne cherche pas les paniers comme ça. Je cherche des paniers en notre forme en fait de panier que j'ai à la maison aussi. Je cherche une autre modèle, pas celle-là. J'aime pas celle-là. Voilà la famille, je suis rentrée à la maison. Donc je vais vous montrer un peu ce que je vais faire avec mes deux petits étagères là que j'ai pris. Alors, logiquement, ça doit venir dans ce meuble qui est là. C'est un petit meuble blanc que j'ai là. Donc, j'ai acheté ces autres-là. Je les ai payés chez Ikea. Donc, là, avec mes deux
avec les deux nouvelles là que je viens d'acheter, je vais pouvoir mettre sur les deux autres étagères qui manquent. Et vous n'allez pas me croire, j'ai pris le pull de tout à l'heure. C'est taille S. Je pense qu'il va être trop très serré sur moi. Mais c'est le seul qui restait, il n'y en avait pas d'autre. Et je ne pouvais pas rester sans le prendre. Du coup, j'ai pris le pull. Et je vais le tester. On va mettre les petites étagères là. Vous allez voir comment ça va donner. Regardez ce que ça donne. Il faut juste que je retire ça. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel en fait. C'est des trucs lambda. Maman? Oui, où elle est ta tablette? C'est toi qui l'as. Je sais. Comme t'as caché ma 2DS. J'ai pas caché ta 2DS. Comment ça tu dis si... Anifa m'a dit que t'as caché ma 2DS. Et je sais que t'as caché ma tablette. Donc voilà la famille, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et puis je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très très vite pour un nouveau vlog dans Sakina Family. Bisous bisous.